connais. Là. Tu ne peux pas t'échapper. Hey, laissez-moi partir. Vos hommes se sont introduits dans la salle du trésor. Ils ont essayé de nous voler. Ah, je l'ignorais. J'étais occupé au chantier naval. Ça se passera pas comme ça. Vous êtes que des voleurs. Pas du tout. Dans ma famille, on construit des bateaux de fer en fils. Je suis un honnête homme. Et en plus, je m'en prie. J'étais occupé au chantier naval. Tu te moques de moi. Qu'est-ce qu'il y a pour attendre? Pas du tout. Dans ma famille, on construit des bateaux de fer en fonte. Je suis un honnête homme. Vos hommes se sont introduits dans la salle du trésor. Ils ont essayé de nous voler. Ah, j'ignorais. J'étais occupé au chantier naval. Ça se passe pas comme ça. Vous êtes que des voleurs. Ah, je l'ignorais. J'étais occupé au chantier naval. Tu te moques de moi. Tu ne fais rien pour l'instant. Ah, je l'ignorais. J'étais occupé au chantier naval. Je suis un honnête homme. Vos hommes se sont
produit dans la salle du trésor. Ils vont essayer de nous voler. Pas du tout. Dans ma famille, on construit des bateaux de fer en fil. Je suis un honnête homme. Vos hommes qui sont introduits dans la salle du trésor, ils vont essayer de nous voler. J'étais occupé au chantier naval. Et en plus, tu te moques de moi. Très bien, tuez-moi. Moi au moins, je n'ai rien à me reprocher. C'est pas comme le gros porc que j'ai en face de moi. Il avait qu'à garder un œil sur ses hommes. S'introduire dans la salle du trésor, ça c'est une grave provocation. On avait besoin de lui pour construire les bateaux. Tu n'as plus qu'à trouver quelqu'un d'autre. La prochaine fois, préviens les gardes quand tu interroges quelqu'un, au lieu de faire justice toi-même à Sino. Donato ? Merde ! L'assassin ! Plus vite !
suis sûr que vous serez satisfait de votre achat. Salve. Bientôt, vous irez beaucoup mieux. Ah. Qu'avez-vous, mon ami ? Si vous achetez deux trépieds ou plus, nous vous offrons... N'oubliez pas de parler de moi à votre entourage. Tu as un choix à faire. Sur la mer Égée dans moi, je m'en fiche. Mais pourquoi ? C'est une question. S'il continue, il va se faire mort. Te voilà. Viens, Ezio. Je voulais te présenter un associé. Voici Agostino Barbarigo, le futur doge de Venise, grâce à toi. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, illustrissimo. Mes condoléances pour votre frère. Paix à son âme. Il s'est laissé corrompre par Borgia. Une erreur que je n'ai pas l'intention de commettre. Viens, Ezio. Nous devons discuter. Nous avons fini par trouver Silvio Barbarigo. Il est caché dans l'arsenal. Ha ! Caché ? Non, il l'occupe. Et avec 200 mercenaires par-dessus le marché. Vous êtes le doge, non ? Vous ne pouvez pas exiger leur reddition ? Le Conseil des 41 n'a pas encore entériné ma nomination. Et le tour de force de Silvio ne va pas jouer en ma faveur. C'est toute une armée qui est sous ses ordres. Alors aidez-moi à lever la mienne. Je savais que tu dirais ça. Bartolomeo d'Alviano pourra t'aider. Il ne porte pas Silvio dans son cœur. Il vit dans le quartier militaire, au sud-ouest de l'arsenal. Très bien. Je vais aller le trouver. Salute. Rien à faire là-haut. Attends. Si protestons, je me charge de toi. Rien à faire là-haut.
Saisissez-le! Pitié! Aidez-moi! Vous étiez avec les troupes de Bartolomeo? Que s'est-il passé? Où est-il? Les hommes de Silvio ont attaqué. Ils l'ont emmené plus loin dans le quartier. Vers le nord. Requiescat in pace. Je ne sais pas si je dois t'embrasser ou te gifler. Ou les deux, au cas où. Ça ne sera pas la peine. Qui es-tu? Ezio Auditore de Florence. Je suis venu vous sauver. C'est plutôt toi qui aurais besoin d'être sauvé. Que voulez-vous dire? Là-bas! Arrêtez-les! Pas trop tôt. Enfin, ça devient intéressant. Allez, viens! On va voir ce qui s'est fait. Là, on va s'y attaquer. Quoi? Tu commences à m'ennuyer. Ça devient intéressant. Par ici. Il faut partir. D'accord. Là, on va s'y attaquer. Et si on évitait le conflit pour cette fois? Pourquoi? La peur? Non, je suis pas ma reste, vrai, moi. Quoi? Oh, désolé, mais t'es assuré. Ma belle, comme tu voudras. Méfie-toi de ce fort à bras, celui qui s'appelle Dante.
La plupart des hommes de Silvio sont des incapables. Mais lui, il est coriace. Ces remèdes traditionnels. Liberté. Tu m'as tellement manqué. Silvio a envoyé ses hommes piller vos quartiers. Préparez-vous à les affronter. Ah ! Je m'en réjouis d'avance. Bartolomeo est... Allez, viens ! Bien intéressant. Là, on va... Allez, ouais, tu as l'air robuste, je ne le nie pas. Tu vas mourir. Enfin, ça devient intéressant. Je... Surtout ne prends pas de risques inutiles. Avec moi. Je vous conseille de vous rendre, si vous tenez à la vie. Jamais ! À quoi bon vivre si je ne peux pas profiter de ma liberté, hein ? Jamais je ne retournerai en cage. Alors tu mordras à la poussière. Tu l'es. Là, bien, par ici. Allez, viens ! Ne sois pas timide. Tu vas me le payer. Mais qu'est-ce qu'il aura pris ? Bianca. J'espère qu'elle n'a rien. Bianca ! Bianca ! Quelque chose ne va pas ? D'après toi, regarde cet endroit. Pauvre Bianca. S'il lui est arrivé quelque chose... Ah ah ! Oh, ma bien-aimée. Dieu merci, tu n'as rien. Ezio, voici Bianca. Bianca, Ezio. Enchanté. Dis-moi, je connais ton nom, mais j'ignore ce que tu fais ici. Je dois m'occuper de Silvio Barbarigo. On m'a dit que vous m'aideriez. Ah, ça sera avec plaisir. Mais il nous faudra être plus que deux si nous voulons... plus que trois pour affaiblir ces hommes. Comment voulez-vous que nous procédions ? Je vais partir et préparer mes hommes au combat. Pendant ce temps, je veux que tu libères tous ceux qui ont été capturés pendant l'assaut. Je refuse de les abandonner. C'est hors de question. Bien compris. Je m'en occupe immédiatement. Bonne chance, Ezio. De la souffrance de ses victimes. Votre attention ! Les résidents de la vie est déjà en place. La machine ! Il est inutile de s'en prendre aux ouvriers. Merci du coup de main, l'ami. Nous allons combattre à tes côtés, si tu es d'accord. En avant. Je m'adresse aux citoyens les plus respectables de la cité de Venise. Je tiens à porter à votre attention que le marchand Medardo de San Polo a été jugé coupable de trahison. Il sera exécuté. Toi, tu n'iras nulle part. Allez, on passe. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Venez avec moi. Vous tremblez comme des vieillards. Alors fini les menaces et les intimidations. On est avec toi, l'ami. Montre-nous le chemin.
Allons-y. Le voilà. Oui, citoyens de Venise se livrant à l'usure ont été revus. En conséquence, les apprenants... Je suis sûr de la... Capturez-le, ragazzi. Regardez-vous, vous semblez compliqué. Qu'est-ce que tu attends? Ça suffit! Tu es mort! Je vous trouve pas mal, mon ami. Vous devriez boire un peu d'eau de vie, ça vous redonnerait des couleurs. Où est-ce que tu es? Nous venons avec toi. Ensemble, nous allons finir avec ce Barbarigo. Alors, on s'amuse bien ? Qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Salut, Ezio. Content de te revoir. Au travail. Mon armée va bientôt renouer avec sa gloire d'antan. Et Silvio ne va pas tarder à se rendre compte qu'il a commis une terrible erreur. Quel est votre plan? On fonce à l'arsenal et on donne l'assaut? Non, on se ferait massacrer aux portes. Je pensais à autre chose. Emmène mes hommes, qu'ils se dispersent dans tout le quartier. Silvio sera contraint de déployer la plupart de ses gardes pour les contrer. Et quand les mercenaires auront tous quitté l'arsenal, je pourrai alors passer à l'acte. Exactement! Ce sera un jeu d'enfant. S'il mord à l'hameçon. Ça va marcher! Crois-moi. Venez. Il va finir par se casser quelque chose. Tu te fais peur? Restez pas noir. Attendez ici mon signal. C'est compris. Par ici. Oh, oh c'est très facile. Stai attento. Je n'ai plus qu'à retourner mon pied. Ne bougez pas d'ici. Comptez sur moi. Venez avec moi. Lui, il a trop bu.
J'ai toujours soutenu votre... Je connais cet homme. Le voilà. Là-bas. Là-bas. Et je suis innocent. Ça devient beaucoup trop dangereux pour moi. Tu y vois... Avec moi. C'est hors de question. J'ai un élixir fait à partir de blond et de betterave. Idéal pour le foie. Cette capuche ne t'en sortira pas. Voilà, vous allez attendre ici. On attend le signal avant d'agir. D'où est-ce qu'il vient? Je connais cette tête. Famille, prenez le temps de regarder. Vous ne trouverez pas meilleur équipement dans tout le... Prêt? Ouais, tous tes hommes sont en place. Bene, bene. Prends ceci. J'imagine que tu sais t'en servir. Cherche le point le plus élevé de ce quartier. Une fois en haut, allume-la. Mes hommes attendront le signal pour lancer l'attaque. C'est compris. On se retrouve sur le champ de bataille. Je ne veux pas manquer ça. Bartolomeo a besoin de moi.
Je dois retourner à l'arsenal. Là-bas, là-bas. Salut, Dex. Je peux vous tenir compagnie? Avec plaisir. Attrape-le ! Là-bas ! Allez ! Toute cette violence... Il est plutôt coriace, pas vrai ? Mourir par sa main est un véritable honneur. J'espère ravaler tes paroles, mousse de mode ! Porca Caputana ! Allez ! Il est temps d'en finir avec ce gros tas de graisse. Tu sais, je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Je crois que je ne sais pas pourquoi tu es si étonné. Tu arrives à prendre la place. Tu ne peux rien faire pour m'empêcher de mettre la main dessus. Ça suffit, le temps presse. Reviens tout de suite, il faut partir. Ezio, vas-y. Cette brute devrait te conduire jusqu'à son maître. Mes hommes et moi, nous allons rester ici et empêcher les gardes de te suivre. Vite! Ils vont partir sans nous! Où est-ce que je l'ai déjà vu? J'ai des ordres! On va la voir! Je ne comprends pas. Pourquoi ces bateaux? Tu ne cherchais pas à prendre la place du Doge? C'était une diversion. Nous voulions seulement partir, mais... Pour aller où? Je ne dirai rien. Chypre. C'est là-bas qu'ils vont. Ils cherchent... Ne redoutez pas les ténèbres. Accueillez-les, acceptez leur étreinte. Requiescant in pace. Bien joué, Edge. Silvio a été vaincu. Et le quartier militaire est de nouveau sous contrôle. Si tout se passe bien, Venise va enfin renouer avec la paix et la tranquillité, comme au bon vieux temps. Nous allons célébrer cette victoire. Cette nouvelle me réjouit, Bartolomeo. Mais je dois partir. Ma mission a pris une tournure plutôt inattendue. Que veux-tu dire? Silvio ne cherchait pas à prendre la place de Marco. Il voulait faire diversion, rien de plus. En secret, il se préparait à quitter Venise. Pourquoi? Ça, c'est ce que je dois découvrir.